Tu te souviens de cet endroit? Ouais, je suis déjà venu là. Notre mère nous amenait souvent ici. Explique-moi tout. Certaines choses sont là depuis toujours. Les anges ont toujours existé, les démons ont toujours existé, ainsi que la guerre qui les oppose. Il y a 9000 ans, un démon est sorti du rang pour prendre le contrôle des armées de l'ombre. Le plus fort, le plus cruel. Mundus. Mais Mundus n'était pas seul. Il avait avec lui son fidèle lieutenant, son frère de sang. Sparda. Mais Sparda l'a trahi. Il est tombé amoureux d'un ange, Eva. L'union secrète d'un ange et d'un démon était inconcevable. Mais elle s'est produite. Et elle fut suivie d'une naissance. Celle de jumeaux. Toi et moi. Des hybrides d'anges et de démons, les deux races rivales. Lorsque Mundus apprit la trahison de Sparda, sa colère fut sans limite. Il pourchassa les deux amants. Tua Eva de ses propres mains et exigea pour Sparda un destin plus cruel encore. Châtiment et souffrance éternelle. Mais lorsqu'Eva fut détruite et Sparda emprisonnée à jamais, tout le monde savait que les graines de la vengeance avaient déjà été semées. Car selon la légende, il n'y a qu'une seule race capable de tuer un roi démon, les Néphilim, des hybrides d'anges et de démons. Il n'en existe que deux, toi et moi. Mundus pensait qu'un seul enfant était né, mais ils étaient deux, et ils avaient été cachés soigneusement. Sparda arma ses fils. Rébellion pour Dante, et Yamato pour Vergile. Alors, Mundus a enfermé notre père et tué notre mère. Oui. Et nous, on est un croisement d'anges et de démons. Père démoniaque, mère angélique, nous sommes des Néphilim, les seuls capables de tuer le roi démon. Bien. Comment ? Un guetteur. Putain de collabo démoniaque. Tu te fais entraîner dans les larmes. Je vais chercher Kat, elle va sortir de là. Tiens bon. Faut que je trouve un autre chemin. Thank you.
encore une rose bleue. Comment tu connais mon nom? J'arrive. Silver Sachs. La banque d'investissement la plus puissante du monde. Et qui est à sa tête? Il s'agit de Kyle Ryder, le PDG. C'est l'avatar humain de Mundus, le roi démon. La créance est son arme pour contrôler le monde. Pour Mundus, le monde n'est qu'un gigantesque élevage d'âmes humaines. Il préfère que son bétail soit surveillé et docile. La surveillance se fait via Raptor News Network, un réseau mondial de télésurveillance. Satellite espion et informateur. Pour ce qui est de la docilité, c'est plus insidieux. C'est-à-dire? Ce que tu tiens,
La boisson la plus populaire de la planète, Virility. Il a changé la formule. T'en fais pas, ça n'a pas d'effet sur nous, seulement sur les humains. De la lobotomie en canette. C'est quoi ton plan? Voici la porte de l'enfer. C'est de là que Mundus tire son pouvoir. Lorsqu'il y est connecté, il est immortel. Il suffit de briser ce lien, et nos épées feront le reste. Et comment on fait ça? On attire son attention. Il est arrogant et impulsif. Si on arrive à attiser sa colère suffisamment, ça devrait pouvoir marcher. En résumé, pour le tuer, il faut l'éloigner de la porte de l'enfer, et pour ça, on doit le mettre en rogne. C'est à peu près ça, oui. Et tu proposes qu'on se débarrasse de Raptor News Network et de Virility? C'est ça. On commence par quoi ?